Bonjour officiellement à tout le monde, bienvenue, welcome to this webinar. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de télésanté. We're going to speak about telehealth, both from telemedicine perspective and both from mental health perspective. So, bienvenue à tout le monde. How many of you are only English speaking people? So you could maybe manifest yourself in your in the chat so that okay, hello. So that we know how we can manage this. Donc, si vous parlez anglais, si je le dis en français, ça marche moins, mais en tout cas, on va aussi essayer de faire ça dans les deux langues. Donc, bienvenue, bienvenue. Donc, je disais, nous pourrions faire un petit tour rapide d'écran pour juste présenter en deux mots. Je ne sais pas qui veut commencer. Je ne sais pas, je lance au hasard. Est-ce que Marie-Pierre, tu veux te lancer? Oui, merci beaucoup, Stéphane. Bonjour. Bonjour tout le monde. Hi, everybody. Marie-Pierre Gagnon, professeure à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Professeur, Faculty of Nursing, Laval University in Quebec City. And I'm also a chair in Technologies and Practices in Health, chaire de recherche du Canada sur les technologies et pratiques en santé. Merci. Merci Marie-Pierre. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en train de nous installer tranquillement et de nous présenter les uns aux autres avec un petit mix de français et anglais. Donc, vous piochez dans la langue qui vous parle. je ne sais pas trop qui veut se lancer, mais vous pouvez y aller comme ça. Qui veut y aller ensuite? Peut-être peut-être c'est moi qui vous propose. Je ne sais pas, comme ça, c'est plus simple. Je vois vos noms, là, donc je vais peut-être énoncer vos noms. Sam, I don't know in which language you speak or if you want to introduce yourself, maybe. Je sais pas dans quelle langue, Sam, si vous voulez vous présenter, peut-être. Non? Peut-être. Non. OK, mais on peut faire on peut avancer, alors peut-être qu'on ne m'entend pas. Qui veut ensuite se présenter rapidement, en deux petites minutes? Je vois Brigitte se connecter à l'instant. Bonjour. Oui, bien. Bonjour Brigitte. Est-ce que, tiens, puisqu'on parle de toi, veux-tu te présenter en deux mots rapides ou on fait un petit tour d'écran très, très, très rapide? Tu peux le faire en français, anglais, si tu veux, vu qu'on a une intervenante en anglais. Le micro est éteint. Ouais, ton micro est éteint pour l'instant, mais ça devrait arriver, je suis sûr. OK, je vois qu'on accueille en même temps d'autres personnes qui sont en train d'arriver, donc c'est parfait. Hi everyone, I'm Brigitte Bourgeon-Mozota, researcher in design science for many years and specializing on design and business and design management and design leadership. And happy to be with you because I'm also working a lot on health care right now. Oui, Brigitte collabore à notre chaire de recherche et nous assiste aussi dans certains de nos projets. On continue un petit peu, je ne sais pas, je vois Annie Corriveau, si vous voulez peut-être en deux mots. Bonjour, alors je suis directrice du service de développement organisationnel à l'Université du Québec à Montréal et le volet de santé globale au travail est sous mon champ de responsabilité, d'où l'intérêt là, pour voir comment ça se développe, les pratiques de télémédecine de façon plus générale. Parfait, bien, merci beaucoup de votre présence. C'est super de vous avoir parmi nous. Est-ce qu'ensuite, peut-être, je vois, je vous appelez par vos prénoms, si vous voulez bien. Ariane, peut-être, voulez-vous présenter en deux mots? Oui, bonjour. Je m'appelle Ariane Pétel-Dépôt. Moi, je suis orthophoniste, donc je fais déjà de la téléorthophonie. Voilà. So, I'm Ariane. I'm a speech therapist and I'm working with téléorthophonie. Well, with Zoom and everything. And just so you know, I'm with my 9 years old, 9 year month, 9, je suis avec mon bébé de 9 mois, donc je suis un peu fatiguée, c'est un peu informel comment je suis installée, mais voilà. Pas de problème, no worries, thank you. Nice to have a baby with us. OK, ensuite, je ne sais pas, Félix, peut-être si... Oui, moi aussi, je suis avec le même bébé, en fait, parce qu'Ariane est ma conjointe. Je suis designer et chercheur UX chez TMX. Et j'ai participé, en fait, à un séminaire doctoral il y a quelques années à l'UQAM où Mme Grosjean est venue présenter. C'était super intéressant sur
une étude ethnographique sur le dossier patient électronique en France. Fait que, quand j'ai vu ça passer, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Ça m'intéresse. Puis aussi parce que ma conjointe a fait de la téléorthophonie. Super. I suggest maybe that we speak a bit faster just to have a 1 minute presentation. Introduction, sorry, for all of us. Donc peut-être se présenter très vite comme ça, en 3 mots, chaque personne, juste pour qu'on garde du temps pour nos échanges. Mais merci beaucoup de ce petit mot, Félix. Marie-Julie? Merci Stéphane, bonsoir à toutes et à tous. Ravie d'être avec vous ce soir, Marie-Julie Catoire-Brisson, maîtresse de conférence en design et communication à l'Université de Nîmes et aussi membre de la chaire Diamant. So, Marie-Julie, Associate Professor in Communication and Design, University of Nîmes, member of the chair. Thank you. Parfait, merci. Je vois des visages familiers qui viennent souvent à nos webinaires. Daniel, est-ce que vous voulez présenter rapidement en français, en anglais ou les deux comme vous voulez? D'accord. Alors, Daniel Routier, courtière de connaissances au Centre national d'excellence en santé mentale. On travaille en collaboration avec des équipes de recherche sur les technopédagogies. Et donc, je suis fort intéressée là, par ce genre de propos. Et puis, donc, my knowledge broker in a national governmental body here in Québec. Great. Merci. Yannick? Oui, bonjour, Yannick Fresfos. Alors moi, en France, je suis le président et le cofondateur en fait, de Reality Life, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui développe des thérapeutiques digitales pour les psychotraumatismes, parce que je suis moi-même pharmacien et patient avec un PTSD complexe. Et donc, nous, on est convaincus en fait, que le digital et tout ce qui est télécommunication, télépsychiatrie est l'un des enjeux majeurs en fait, pour prendre en compte en fait, tout le monde dans cette thérapeutique. Donc, je suis content de vous rencontrer. Je vois qu'il y a Marie-Julie aussi. Donc, voilà, enchanté et d'autant plus content ce soir. Voilà. Super. Mais ravi d'avoir des personnes de France aussi parmi nous et d'un peu partout. OK. Je vais peut-être vous proposer, pour qu'on respecte un peu le temps, peut-être de dire un petit mot sur le chat, sur qui vous êtes, comme ça. Et puis dans quelle ville vous êtes, comme ça, c'est sympa de voir un peu qui est là. Ça donne une petite idée de qui est parmi nous aujourd'hui. Donc, peut-être, excusez-moi, je ne veux pas trop interrompre ce joli processus de prise de parole. On a besoin d'entendre la voix des autres en ce moment, mais d'un autre côté, je veux aussi être respectueux envers le temps que vous consacrez à ce webinaire, selon l'horaire qui est le vôtre aussi dans votre fuseau horaire. Donc, peut-être, dites un petit mot sur le chat en 2 mots. Avec peut-être l'endroit où vous vous trouvez, ça sera peut-être plus facile. Comme ça, vous pouvez lire vos petites présentations mutuelles pendant que je vais introduire le thème d'aujourd'hui. So, I suggest maybe that each of you who wants to do it, you can maybe introduce yourself shortly in a few words on the chat. Meanwhile, I'm going to make the introduction of the webinar so that you can read your introductions each other while I'm making the global introduction of the event, and it's going to be maybe easier to manage our time because I can see that you are quite a lot of connected persons, so that's nice to have you. Merci. Ok, alors on va faire comme ça. Je vais vous laisser tranquillement vous présenter et je vais de mon côté présenter le séminaire d'aujourd'hui. Ok, so, j'y vais en anglais, en français, il faut que je choisisse. Donc aujourd'hui, nous parlons de télésanté. Nous ne sommes pas une chaire de recherche en télémédecine, nous ne sommes pas une chaire de recherche en télésanté, mais nous sommes une chaire de recherche en design intersectoriel, je dirais ça comme ça un petit peu vite. Nous articulons plusieurs disciplines appartenant à différents secteurs à partir du design, comme discipline connectrice. Et donc, en tant que tel, notre sujet, notre domaine de recherche, c'est justement le design pour la cybersanté mentale. Donc, la télésanté nous intéresse pour voir comment elle peut peut-être avoir des effets sur le travail que nous menons. So, we are a researcher in design for e-mental health, and we're interested in understanding more how telemedicine and telehealth and in general can maybe impact our research strategy. So this is why today we have this webinar about telehealth. Donc,
Aujourd'hui, nous accueillons deux personnes. Je suis très heureux de les accueillir parmi nous. Sylvie Grosjean, qui est elle-même titulaire d'une chaire de recherche sur les technologies numériques en santé à l'Université d'Ottawa et par ailleurs membre collaboratrice de la chaire Diamant ici à l'UQAM. Donc, so we welcome today Sylvie Grosjean, who is a professor in communication at the University of Ottawa and also a research chairholder technologies, digital technologies in health. So thank you. Merci Sylvie d'être là avec nous. And also Sylvie, she is a collaborator with us in our chaire Diamant here at UQAM. Also, I'm very happy to welcome Anna Zevin. Donc, je suis très heureux d'accueillir avec nous Anna Zevin. I discovered you, Anna, when I read a paper in the New York Times. Donc, j'ai découvert Anna en lisant un article dans le New York Times il y a quelques mois. Anna was mentioned, était mentionnée dans cet article à propos, qui faisait une grosse critique d'une application connue aux États-Unis qui s'appelle Talkspace, qui a fait de grosses levées de fonds sur les 10 dernières années, 100 millions de dollars, et qui propose donc de la thérapie à distance. So I was interested in this paper in the New York Times because it was a big critics about Talkspace, which is an app that offers teletherapy by messaging and so on to people in the US. And Anna was quoted in this paper to, to strengthen the critics, hein, pour renforcer la critique en quelque sorte, en tout cas to share her view on this, because Anna is the author of a book that is forthcoming at the MIT Press about the history of teletherapy, and it sounds very amazing. Et Anna Zevin est l'auteur d'un livre à paraître aux presses du MIT cette année sur l'histoire de la télétherapie, et on va voir que c'est intéressant parce que la télétherapie a commencé il y a très longtemps. D'après ce travail. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité articuler ce webinaire autour de ces deux présentations. J'ai demandé à Sylvie de bien vouloir nous faire, dans la mesure du possible, un petit aperçu de ce qui se passe aujourd'hui en télémédecine, qui est justement le domaine que Sylvie étudie beaucoup, puis de croiser ça avec ce que Anna Zevin a à nous dire sur la télétherapie. So I ask Sylvie to give us a kind of overview of what's going on today in the field of telemedicine, which is developing a lot with the pandemic, of course, but I started before. And I wanted to cross this perspective with the history of teletherapy and just to see what's going on between telehealth and telemental health, de voir un peu ce qui se joue entre télésanté et télésanté mentale. Et le but pour nous, c'est déjà d'en apprendre plus, de devenir un peu plus savant et intelligent sur ces sujets, puis de voir comment ça peut nous aider dans nos projets au sein de la chaire Diamant, notamment le projet Mentalis, qui est une application numérique qui vise à améliorer l'accès aux soins de santé mentale et pas spécialement ou forcément à distance. So, I was just saying to conclude this introduction that the main goal of this webinar for us is to learn more about what's going on between telehealth and telemental health, and also maybe learn lessons that could be useful for us in our research projects, especially Mentalis, which is an app for improving access to mental health care with digital technology, not necessarily, through telehealth, but using the digital. OK, donc je vous propose qu'on commence. Et puis, on pourrait commencer par la présentation de Anna et ensuite enchaîner avec celle de Sylvie. Donc, I suggest, Anna, that you take more or less 20 minutes, but because I may translate some parts of it, so it could take a bit more, maybe 30. Et qu'ensuite, and then we have a discussion moment, and then we move to Sylvie's presentation with also a discussion moment. Donc, on va y aller dans cet ordre avec la présentation d'Anna en premier, et ensuite, que je vais essayer un tout petit peu là de traduire en temps réel. Et ensuite, on va écouter Sylvie Grosjean. Donc, on va aller de la télétherapie à la télémédecine.
et on aura un temps de discussion pour chaque présentation, même si on pourra aussi aborder l'ensemble des présentations à la fin. Parfait. Bien, alors allons-y. So let's go, Anna. I leave you the microphone and the screen. Well, thank you so much, Stefan, for having me, and to the chair as well. And it's an honor to present alongside you, Professor Grosjean. I'll get started right away. I'm presenting a very brief, in 20 minutes or fewer, history of teletherapy. The early days of the COVID-19 pandemic brought with them almost automatically a second wave, a mental health crisis that also touched everyone. Trauma, which is often thought of as belated, can also be preemptive or apprehensive, a suspended state of knowing that loved ones will die, but not whom, or living in the fear that oneself may die, but not yet. And that's only the trauma in response to the primary loss caused by the COVID-19 pandemic or by systemic inequality in medicine or their intersection. What will happen to bodies, not the psychological havoc that oppression, massive job loss, medical debt in the US context, and the isolation of social distancing bring. Teletherapy has been pointed to as a tool that can perhaps uniquely intervene in ameliorating the trauma of the COVID-19 pandemic during necessary social distancing. There okay, was I'm gonna one... make a quick stop now. I'm sorry. I'm gonna show my hand sometimes. Okay. Okay donc Anna nous rappelle que nous vivons une période de trauma avec le contexte pandémique de la COVID-19 et que dans ce, je résume vite parce que je peux pas tout traduire en temps réel, mais elle redécrit un petit peu ce que nous vivons tous et souligne justement que la télétherapie a été perçue dans ce contexte comme une solution. Yeah, let's go. There was widespread globally, but also I'm going to be speaking right now mostly in the US context, of widespread support for the switch to teletherapy at almost every level, which is rare, from private practice to institutions and policymakers, even as it made many practitioners and their patients nervous. Okay. In the United States, despite the government's COVID-19 policies or lack thereof, by March 19th, 2020, almost a year ago, four of the five big insurance companies had updated their insurance policies to completely cover teletherapy out of pocket for a provisional period until June 4th. And then when that expired again, and then they extended it again. Okay. This made... Thank you, Anna. Okay, Anna souligne qu'elle s'exprime plutôt sur le contexte US, américain, et que justement cette pandémie a... en fait, déclencher une énorme vague de déverrouillage des technologies de télésanté, avec notamment 4 des 5 plus grandes compagnies d'assurance de santé qui ont proposé justement de les rembourser, ce qui n'était pas le cas précédemment. Thank you. And this rendered talk therapy as well as CBT essentially free to 130 million Americans, about a third of the population, overnight. Critics of teletherapy focus on the corporate drive to monetize therapy, to make it efficient, over the fact that many more people would make use of some form of teletherapy if it were available, affordable, covered by insurance, if more practitioners were willing to engage it. Suddenly, forced by the COVID-19 pandemic, these conditions were met, however partially. Okay, donc. Elle évoquait le fait qu'une des critiques qui est faite à la téléthérapie, ça peut être son coût, mais justement, il y a de plus en plus de personnes qui seraient ouvertes à cela si elle était plus accessible, plus remboursée. Thank you. Teletherapy is now everywhere. No longer a shadow form of psychological care, it is the dominant mode in much of the world and has been so for nearly a year. But there's a surprisingly long history to the practice, which I take up in my book, The Distance Cure, A History of Teletherapy, which, as Stefan said, will be out later this year from MIT Press. The book considers one relationship across the late 19th century into our present, that between therapists, broadly defined, and their patients. Okay, so en fait, Anna évoque la télétherapie aujourd'hui, c'est devenu le mode dominant de relations cliniques. Évidemment, d'ailleurs, on pourrait ajouter que ce n'est pas seulement dans le monde de la thérapie,
mais elle évoque que dans son livre, justement, elle a voulu montrer un peu l'histoire de ce phénomène en repartant du 19e siècle. The distance cure makes a few interventions via examining this relationship between therapist and patient working at distance from one another. Globally, it retells the history of psychology via this shadow form, teletherapy. Instead of being a recent concern, teletherapy and telemedicine have been about to make their grand debut for 100 years, over and over and over again. Teletherapy is as old as therapy itself. Then the book makes another intervention. It takes the extraordinary relationship between therapist and patient and recasts that relationship not as a dyad occurring between two people, but a triad of two people and technology. Okay. Okay. Anna souligne pardon, que cette façon de travailler entre patients et cliniciens à distance qui définit la thérapie, en fait, donc existe depuis longtemps et constitue aussi longtemps que finalement il y a des thérapies, il y a eu des pratiques qu'elle va nous présenter, des pratiques de thérapie à distance, et que ces pratiques ont toujours finalement constitué en une sorte de dyade et pas de triade, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement un thérapeute et un patient, mais il y a trois éléments puisqu'il y a aussi un dispositif. I argue that since Freud stopped laying hands on his patients as part of hypnosis, some intervening distance has always been present between patient and therapist. Then I look at how patients and therapists have usefully and also problematically bridged that distance in order for communication to happen at all. Mediated, networked, and teletherapeutic relationships physically literalize the separation, even as they work to diminish it. As I conducted my research in order to make this critical history of teletherapy, it turns out that teletherapy almost always attends crisis just like the one we're in, whether that's a personal crisis, World War II, the war in Algeria, a suicide epidemic, and of course, the pandemic. While these cases are each quite different, and I'm about to go through them, I unite them by making the claim that distance is not the opposite of presence. Absence is. The question at the heart of the book is just that. Okay, merci. Thank you for the bilingual slide. That helps me. Merci pour les diapos bilingues, ça m'aide un peu. Mais donc là, vous voyez l'idée qu'en fait, elle problématise autour de la notion de distance en indiquant que la distance fait partie structurellement de la relation patient-thérapeute et qu'il y a les patients et les thérapeutes ont toujours trouvé des façons de combler cette distance d'une manière ou d'une autre et que les dispositifs de thérapie à distance se sont souvent développés dans des moments de crise, que ce soit individuel ou collectif ou de guerre ou autre, ou comme on le connaît en ce moment de pandémie. Et son livre, dit-elle, est construit autour de cette idée que la distance n'est pas l'opposé de la présence. Thank you. So, now to start at the very beginning. In the first chapter, which is a chapter devoted to Sigmund Freud himself, I argue that Freud was psychoanalysis' first telepatient and its first teleanalyst. It is well known that Freud loved to use metaphor of media and technology in order to think about the psychical process of the human. His attempts to better understand the clinical relationship was often run through media. Memory, like a mystic writing pad, psychoanalytic listening is like a telephone call. Dreaming is censored like the post. Okay. Donc elle cite Freud comme le premier téléthérapeute, puisqu'on sait que Freud en fait menait des sortes de cures analytiques par correspondance. Hein. On connaît ça, son auto-analyse avec Fliss, par exemple, pour les connaisseurs. Et qu'en plus, il utilise beaucoup de métaphores technologiques pour décrire le processus de la thérapie lui-même. Yeah. In other moments, and this is what I work on, in Freud's actual practice, media were actually used, not just figuratively, but materially. He extended the spatial and temporal boundaries of conventional analysis all the time. He analyzed his daughter, so someone close to him, those he never met, like Schreber, those long dead, like Da Vinci, but he also analyzed patients far away who were living, like little Hans. Okay. Freud. Oh, sorry.
Donc, en fait, Freud a tout le temps travaillé le cadre qu'il proposait pour la psychanalyse finalement, le dépassant, le contournant, le mettant à mal, puisqu'il a analysé sa propre fille, Anna Freud, comme vous savez. Il a aussi analysé des gens qui étaient très, très loin de lui, très à distance, comme Léonard de Vinci à travers ses œuvres, ou d'autres patients, Schreber ou le petit Hans. Il y a des études de cas cliniques de Freud qui sont célèbres et publiées concernant des personnes qu'il n'a jamais rencontrées, en fait, en face à face. Freud ever experimenting at the same time as he gives birth to this psychical science, used letters to access psychoanalysis first to distance therapy patients, himself and this child of a colleague, Herbert Graf. The set of letters that comprise Freud's so-called self-analysis were reported to his friend, also on the screen, Wilhelm Fliess. I argue that what transpires for Freud in this communicative mode is not a self-analysis at all, which is how it's been held for some 130 years. Instead, the correspondence functions as a site of conventional, relational, dyadic analysis, but conducted through mail. So my first triad. Conducted through what you said? Mail, the post. Oh yeah. Donc là, elle cite le cas connu en psychologie de Freud qui prétend avoir fait son auto-analyse. En tout cas, la tradition en psychanalyse et psychologie a retenu cette correspondance entre Freud à gauche et Fliess comme l'auto-analyse que Freud aurait menée sur lui-même. Puis Anna souligne qu'en fait, selon elle, ça n'a rien d'une auto-analyse, puis c'est surtout un processus, une sorte de dialectique ou de conversation médiatisée par le courrier. Qui est donc le premier dispositif de thérapie à distance qui semble avoir été ici, bien sûr, employé. Oui, thank you. So from the very beginning, all forms of clinical psychology have been open to this intervening distance and media. I then pick this up in the next chapter, Mass Intimacy, where I think about what happens when it's not just a patient and a therapist and media, but many patients all at once. Ok, donc elle étudie aussi dans son chapitre 2 ou 3 qu'elle évoquait à l'instant des cas où en fait ce sont des situations en fait où ce ne sont pas seulement un patient avec un thérapeute mais plusieurs patients qui sont impliqués comme ça dans un processus de travail à distance, et elle indiquait qu'on voit qu'en fait dès les débuts de la psychologie clinique moderne, en fait les cliniciens ont été habitués à des pratiques de travail à distance, et que on entend en arrière-plan quand elle dit ça que finalement il n'y a pas tellement à être si surpris qu'aujourd'hui on en retrouve sous d'autres formes puisque c'était déjà là. Thank you. In another moment, not identical to ours, but with the crisis facing European psychoanalysis, especially British psychoanalysis, and therefore a great deal of emigre psychoanalysis from fleeing the Nazi regime in World War II, suddenly psychoanalysts could not meet with their patients. Essentially overnight. One of the most famous patients in this moment was a 10-year-old boy, Richard, whose treatment with the Hungarian via Berlin into England psychoanalyst Melanie Klein is recounted in great detail in a text of hers. The treatment was very short, and both Klein and the patient were evacuated from their homes and met for the purpose of having an analysis in a small town in Scotland for 3 months. Did I miss something at the beginning? You were talking about World War II. That was World War II. Yeah. Okay, donc elle évoque le fait qu'il y a eu justement, notamment dans la psychanalyse britannique, où puisqu'on beaucoup de psychanalystes, on le sait, émigrés aussi dans les pays anglophones en raison de la situation en Allemagne, mais que la Seconde Guerre mondiale a été une sorte de contrainte structurelle qui a amené des patients à faire un travail à distance, notamment elle cite le cas d'un enfant, Richard, et on pourra y revenir tout à l'heure si vous voulez, mais pour dire qu'il y a eu ce contexte de crise, de guerre qui a favorisé ces pratiques-là. So this little boy was obsessed with the radio and listened to the news of the war all the time. When it came time for the treatment with Melanie Klein to end, Richard began to fixate on the clock in the last section. So I know we have at least one person working with children in the Zoom room, so this may be of interest. So Richard begins to have a little fantasy.
He's playing with the clock, Klein writes. He caressed it, handled it, opened and closed it, wound it, and was deeply engrossed in these activities. When he set the alarm, he said, Mrs. K is broadcasting to the world. She is saying, I shall give the right kind of peace to everybody. And then he added a little shyly, and Richard is a very nice boy. I like him. And then the quote is in French here. Yeah, thank you. Donc, je ne vais pas relire la citation, mais c'est le petit enfant dont on parlait tout à l'heure, donc Richard, qui est un jeune patient de Mélanie Klein, psychanalyste anglaise, et qui était un peu obsédé, entre guillemets, par la radio. Et il écoutait les nouvelles de la guerre en permanence. Et puis, vient le témoignage qui vient d'être présenté. Thank you. So, Richard, deeply aware that he has just a few minutes left with his analyst, acts out this fantasy that he can hear her after termination and others would be able to hear her too. That even though not only is the first typical frame of psychoanalysis gone, meeting in the office in a normal way, that when it's sort of a remediated form of meeting dislocated in Scotland is going to disappear, nonetheless, he will still be able to hear her. And what's so fascinating about this little fantasy is just an anecdote, is that simultaneously, psychoanalysts were dominating the BBC airwaves. They were giving the quote unquote right kind of peace to everybody, psychoanalysis. En fait, il y avait beaucoup de psychanalystes britanniques qui occupaient les médias, la radio, la BBC notamment. Et donc, ça vient montrer qu'ils utilisaient des technologies finalement de médiation. Yeah. So after many years, this kind of broadcast psychoanalytic, it's more than advice. And if we had more time, we can talk about it in the Q&A, was ongoing and then continued after crisis. And something we can talk about is what happens with teletherapy when the crisis is over. But far from being unique to British World War II psychoanalysis, radical therapeutic broadcasts were used by people like Frantz Fanon, like Félix Guattari in Paris, and now in our contemporary with celebrity therapists like Esther Perel, who hosts one of the most listened to podcasts and is on the screen. Oui, donc ce n'était pas seulement en fait au Royaume-Uni, en France aussi, elle parlait de Guattari et d'autres penseurs qui sont inspirés de la psychanalyse. Puis il y a eu un discours des psychanalystes dans les médias, il y a eu de la diffusion de la psychanalyse dans les médias. And coming out of the radio broadcast and deeply related is perhaps the most ubiquitous form of teletherapy on offer and is technically the first form of teletherapy and telehealth because it makes use of telecommunications, the suicide hotline, almost always anonymous, local, and always free. The suicide hotline is an underexplored form of care. Oui, donc une des premières formes en fait de télétherapie au sens propre qui utilise un dispositif télé, donc de télécommunication, ça a été les lignes d'écoute pour le suicide, qui sont en fait déjà anciennes. Yeah. And first made, not, I found fascinatingly, by secular psychological workers, but by Protestants. The hotline absolutely upends all conventions proper to talk therapy. It's almost always in a hyper-transient frame. It's conducted by exclusively volunteer without mental health training. And of course, it's free. Donc, c'était des lignes d'écoute qui étaient principalement, réalisées par des volontaires, pas par des professionnels de la santé, et qui étaient gratuites. And just to say very briefly that this form has lasted. It's used by both nation states and activists alike, and has now been remediated once again as a crisis text service or instant relay chat or on peer-hosted web forums. Et donc, ça, cette façon de faire avec le téléphone, en fait, a duré, s'est installée, puis finalement, s'est transformée avec les outils qu'on connaît aujourd'hui, de clavardage, de chat, de plateforme web, etc.
And then now to speak about more our contemporary, in the fourth and fifth chapters, I look at two forms of, well, but they start much earlier than we may have thought, in the 1960s and then again in the 1980s. So first, I look at algorithmic therapies and automated therapies, which collapse the categories of wellness and stress and labor management and mental health care. They often seed care back to the self and create a kind of corporate self-care program starting in, strangely, the late 1960s. Et en fait, certaines pratiques, on pourrait croire extrêmement récentes, remontent déjà aux années 60-80 avec finalement des premières formes de thérapie automatisée ou en tout cas des thérapies qu'on pouvait mener avec soi-même, des premières formes d'auto-soin finalement. And as just one example, here is Replica, which has grown hugely in the pandemic. It has millions of users now. And many of these applications don't take up the framing of a mental health care intervention, while at the same time borrowing from that language. And so it has a lot to do with what's surveyed by the FDA, and other governing bodies in terms of, does this have a good intervention? Does it have a therapeutic alliance and so on? So coaching is another word frequently used, or play. Yeah. Alors, elle donne un exemple qu'on voit ici. Okay, maybe you can bring back to the slide example of AI, but où en fait, on voit beaucoup émerger avec la crise pandémique des applis ou des outils numériques qui proposent en fait pas vraiment du soin, mais de l'auto-soin, puisqu'on parle à un ami intelligent, un AI companion, comme on voit là, et que ça vient bien sûr questionner le cadre du soin qui est proposé. Yeah. And then lastly, I look at e-therapy. Again, starting in the 1980s, e-therapy became increasingly pervasive in cyber clinics until we eventually, especially in the United States, started to legislate e-therapy. Then there was a large fallow period until 2010, when in the US, smartphones became at all increasingly ubiquitous, and with the passage of Obamacare, which again allowed more patients to make use of therapy and frequently teletherapy. Donc aux États-Unis, ça a commencé la e-thérapie à proprement parler, la thérapie basée sur des outils numériques, donc dès le début du web, pratiquement, au début des années 90. Et ça a pris une certaine ampleur à partir de 2010 en raison du développement des téléphones cellulaires, des smartphones. On sait que l'iPhone, c'est 2007, par exemple, j'ajoute ce petit commentaire personnel. Et donc, ça a joué dans le développement de ces technologies numériques naissantes pour la thérapie. Et ça a pris aussi de l'ampleur sous l'effet de l'Obamacare qui permettait d'être beaucoup plus facilement remboursé pour un plus grand nombre de personnes. Thank you. And that brings us back to the present with which I open this afternoon's comments. My studies in teletherapy work to, instead of investigating whether or not teletherapy is the same as or as good as live in-person therapy, disrupt the notion that contacts occurring by distance are automatically lesser, automatically troublesome, or automatically useless to the person seeking a form of therapeutic treatment or connection. I argue that teletherapy is not merely a site for working on the general capacity to cope or to be with another via time. It's also a tool for developing the ability to tolerate being alone. As Sherry Turkle has demonstrated, one can problematically be alone together via media, a state that paradoxically increases loneliness. Instead of looking at that direction, this book seeks to elaborate a critical history and theory of the practice in which I examine what happens when we're together alone instead of alone together. And thank you so much for the translation. Well, I hope it is correct. elle évoque le fait que le livre s'interroge sur les points suivants, à savoir que l'enjeu pour elle, ce n'est pas tellement de savoir si la télé-thérapie est identique ou différente,
ou bonne ou meilleure que la thérapie à distance, ou que la, pardon, que la thérapie en face à face, excusez-moi, en personne, mais que ça vient au contraire re-questionner la complexité de ces deux facettes, hein, finalement, être en présence ou être à distance. Et elle évoque, elle joue un peu sur les mots, là, alone together, together alone, elle souligne le fait qu'en fait, toutes ces applications viennent aussi permettre en fait, d'apprendre, de mieux tolérer d'être seul aussi, d'être seul ensemble à distance. Donc voilà, il y a une réflexion, là je résume un peu grossièrement, sur laquelle on va pouvoir revenir dans la discussion avec vos questions. Thank you. So, merci. You finished the presentation, Anna? Yeah. Okay. Thank you so much. Merci beaucoup, Anna. I want to apologize for my very bad real-time translation. I guess I didn't restitute correctly everything with nuances, but I'm sure in the discussion it's going to be back. So, désolé si j'ai pas fait de l'interprétariat au sens strict du terme, loin de là. Mais j'ai essayé de vous permettre à toutes et tous de suivre un peu le propos général, de sorte qu'on puisse à entrer maintenant dans la phase de discussion. Peut-être je vais laisser la parole à Sana, ma collaboratrice et la chaire de recherche Diamant, pour animer ce moment d'échange. Oui, pour le moment, je ne vois pas de questions, mais n'hésitez pas à écrire, comme j'ai dit au départ. Don't hesitate to write your questions down. So I can mais on peut peut-être aussi les prendre à l'oral. Maybe ouais, parce que là, il y a... En tout cas, donnons-nous un petit moment de discussion. Alors, on peut revenir sur des points présentés ou soulever d'autres Félix points. Félix a pris la main, il veut poser la question. Félix, vous pouvez parler. Merci. I'm going to do it in English, so thanks a lot for the talk. It was really interesting. You quoted... Turkel, who tracks back to Weizenbaum, like the 60s, or his program, the first chatbot, Eliza, which was based on the Rogerian therapy. And I'm wondering, because Turkel seems to take on Weizenbaum's critique of that, the use of that kind of like automatic therapy, where you're basically talking to yourself. The chatbot just prompts you to go deeper. And Weizenbaum was famously critic. His secretary was using that and asking him to stay away and to like just have privacy with the software. And he thought that it couldn't be that and actually therapists also like thought it was interesting because there was not enough therapists for the needs. So it would be an interesting use of that technology. And Weizenbaum didn't agree with that because he said, well, there's no understanding being done. People are it's just a machine like spitting out like a little algorithm that's tricks you into believing you're being listened to and you're being understood. But on the other hand, I guess some people could argue that if it does good to the person, then it's kind of working somehow. And I think I've seen lately, I don't remember in which occasion, AR experiment that you might probably have tracked, that where you take on two different roles in a therapy. First, you're being like a Sigmund Freud, and then, or I think first a patient and then Sigmund Freud, you first tell like what your problems are. And then on a second rehearsal of the same scene, you are in the position and you see yourself through your eyes of the therapist. And that seems to allow people to take the distance necessary to give themselves some like valuable advice. And I'm just wondering, just as you turn around Turkel's title on Alone Together and or in Together Alone, if what results or what your take is now that you've done this research on autotherapy. Thank you so much for that. And also hi to your baby, who's so cute. I deal extensively in the book with that moment in the 60s, but actually look
in that chapter, auto-intimacy, where I look at the autotherapy, I recover an even earlier history of these kinds of pre-automation or just the beginning of automation attempts to work on this question. So a man named Charles Slack, at the sort of psychedelic heyday of Harvard's psychiatry department, so Timothy Leary, lots of LSD, makes a tape recorder that he pays people to speak into, so not a computer. And all of his subjects report they felt a lot better for speaking just alone into the tape recorder. And they take that, I sort of split the difference maybe with Sherry Turkle, although she's not only critical of the kind of autotherapy scene either. She's very clear about what some benefits might be and trace the history through to this moment where, yes, we do have a dire lack, especially in the US context, but far from alone. The world is large. There are many, we have many zones in the world where there are certainly not enough therapists for would-be patients. And to look at what happens when you bear out, the person Weizenbaum's in conversation with is a former psychoanalyst called Kenneth Colby. When you want to batch process so badly that you are willing to let some of not only the understanding, but the efficacy of the autotherapy go, which means, you know, and I don't want to take just so much time. It's a lovely question. I'd love to speak with you for a long time about this. But it means that we're often selling a much less good, and it's a product, to the very people who need more help or the people who cannot manage their own care. And so it's a kind of a bizarre, almost, I don't mean this clinically at all, perversion of like the Foucauldian care of the self idea. Where a radical self-care idea, where instead self-care is the lowest form as well as the end stage of care delivery, and that's all that's left. And so I think increasingly when people are prescribed a non-therapeutic AI agent, it can make it much less possible for other forms of care to be sought out. On the other hand, lots of people, like that game you're describing, see yourself as Freud's patient, lots of it is done through play. And so people are much more likely to go and play than they are to go to therapy. So I trace out the question of enjoyability from the 1950s to the present as it intersects increasingly with the corporatization of mental health care, again, in the US context. Thank you for that. Thanks a lot. For your, I'm looking forward to read it, actually. Oh, thank you. Thank you, Felix. I have a question of my own also. When you talk about teletherapy, you said that it's not only a relation between the therapist and the patient, but also the technology. So it's the three poles. Did you have like a study about what's the impact of the kind of technology used through long the history to in order to do this therapy? Is there something particular in a kind of or a channel of communication or a kind of therapy using a technology, or it was just a whole overview of the this therapy between the patient and psychologist? So the book, each one, that's a great question. Each chapter really does a deep history of each form across a lot of time. And I'm a historian, and where there are studies and statistical studies or from clinical studies available, I definitely discuss them. Mm-hmm. So the phone is really important to the suicide hotline. It's not merely that it's the utility, but it has major effects. Similarly, now in our contemporary on something like Talkspace that Stefan mentioned, we can see that the platform is doing something. Oh, I'm frozen. Sorry. The platform is doing something. Namely, it's lowering the therapeutic alliance. Mm-hmm. It's making the relationship much more less impactful. But is it the medium or the corporate platform and all of its restrictions? This still remains to be seen. So in each one, there's a different answer here. But
we also have to think, and this is what I write about in the coda, we also have to think about the psychical effect of the medium. So like, I just glitched in the middle of speaking. What does that do to my sense of myself if it's in therapy, or the fact that I see myself for my entire therapy? All of these questions are very much on my mind, both sort of hermeneutically and statistically and clinically. Thank you. Thank you. Well, if I may, I have a short question for you. So you said you're an historian and you were interested in going back in history to see how practices of teletherapy started long time ago, but how far did you go back in history for this? It seems that you mostly focus on the beginning of the psychoanalysis, which is the birth of psychotherapy actually, but did you try to, I mean, to move back in history or more? Or I love it. This is of course like the historian's joy question, like, tell us more. So there's a long tradition, of course, of the written cure for all kinds of reasons, especially as, and Stefan, we may have even spoken about this last fall, but that as there's a kind of concretization of the profession of medicine, those professions gather in cities, but there's, you know, an entire rural population who needs care of medicine. And so the written cure by post or the traveling doctor, including cusping into mental health care, of course, even if it's not codified as such, is long standing. What I tried to do, I had to delimit somewhere. And so I wanted to look at the very start of networked care and the very start of psychotherapy. And Freud, it turns out, is both. So it was an easy way to fix the beginning point, so to speak. But John Harley Warner has written a lot about postal cures in the US context. There's great work on it in the French context. I'd be happy to put some things in the chat. Yeah, I'm gonna share a link. It was a radio broadcast in France a few months ago on France Culture. And it was about this, how people in the 18th century in France, they used to consult a doctor in Paris through the mail. So it's a long, long, long history. Yeah. Thank you. Thank you. I have a question also. Hello. Oh, we cannot hear you so much. Maybe your microphone maybe should be closer. My audio is not working so well. Do you hear me now? Yeah, I can hear you. Okay, sorry. So hello, Hannah. Thank you so much for this talk. It was fascinating. It's nice to meet you in person. Yes, you too. My question is about this constitutive tension between the dyad and the triad. I mean, not as in better or worse in terms of the effect of therapy, but the way that the triad shaped the dyad through history. I mean, what did you find in terms of how did it change, you know, like power relations between therapist and patient, and how did it modify this preliminary situation, this therapeutic situation? Thank you so much for that. So the concept from the book of the triad, I argue, starts the minute there are two people together in person, which I can barely even imagine now, having been in lockdown essentially since March. That the voice, for instance, might be the third. I think of money as a possible third. I think of the setting as a possible third. And I deal with each of those in the introduction of the book. But you immediately nail it, that teletherapy and why I loved studying it is often radical. It's often for free. It's often attenuating the question of patient agency because it becomes about being on demand. This can also have real problems too. As Stefan knows, I also am very critical of certain applications for teletherapy. It's not just a techno-utopianist or techno-solutionist like love story at all for me. But that, especially with the suicide hotline, that is a place where it completely upends
any notion of a dyad, that the phone is doing all kinds of work too, but also it's restructuring the work the dyad can do, not just as an intrusive or overt third. And if we had more time, I could supply examples from throughout the history, but the suicide hotline, I think, is the signal case that we're still living with. You know, the suicide hotline in the US plays an undersung role in the, and we have someone who works, I think, on a hotline in the room, which is amazing. It plays an undersung and under-celebrated role in the mental health care ecosystem because we lack, you know, nationwide infrastructure for care at every level. Just a short comment on the dyad, the triad, because that's the point here. I have a book published also at MIT Press entitled Being in the Screen, in which I studied from a philosophical perspective how this the perception of the distance of the virtual is not the opposite of what we are used to call the real. Well, I think today this idea is much more common, but 10 years ago it was really strange to think like this. And what I liked is that you said for you distance is not the opposite of presence, and I like what Hadar said, and I shared it in the chat. Nice to meet you in person. She just said you 5 minutes ago on a Zoom meeting in person. That's very interesting. And I want to add to this comment, it's much more common, but that even in the face-to-face situation, there is a triad for me: the walls, the chairs, the building, the silence that the building can offer you. So I would not say that face-to-face is a pure virginal dyad or dyadic relationship. The triad, the technological mediation, is everywhere all the time. And if it's, even if it's not with digital technology, it's with furniture or walls or whatever. Like the setting in the classical psychoanalytical cure with the sofa and the chair and so on. So that's also a technological aspect of the situation. And one that deeply structures even that first distance, right? How far do we put the couch from the chair is almost never spoken about, but therapists instinctively know that they want to be further away or closer, and that informs their kind of therapeutic stance. And yeah, absolutely. That's the whole introduction is very focused on that question of before an overt mediation, what is the ground of the third? And it's an always already type of thing. Sorry. Thank you. Thank you. I guess maybe it's time to move to the second talk, but you still can share questions in the chat on Anna's presentation. So thank you, Anna, for this. So let's move to Sylvie. Donc, je vais repasser complètement en français maintenant. So it's going to be hard for you now, Anna, because I'm not going to translate anymore from French into English, but I trust you. Donc, on va passer à la deuxième présentation. Et j'en profite pour souligner que, justement, toutes ces considérations qu'on vient de développer sur ça ne s'oppose pas, la présence, la distance, ben, moi, j'ai aussi travaillé sur ces aspects-là dans d'autres contextes que strictement la santé, mais c'est là où je vais être intéressé, et nous allons tous être intéressés de t'entendre, Sylvie, parce que peut-être que ça ne s'oppose pas, mais ça reste différent. Et c'est cette différence qui est intéressante à travailler, même si on comprend mieux après la première présentation que c'est un peu naïf de croire que nous serions entrés subitement pour la première fois dans l'histoire de l'humanité dans la télithérapie. Ça, on a bien compris que c'est naïf. Toutefois, c'est pas pareil. Alors, ça va être intéressant de voir ce que tu peux nous en dire, Sylvie, toi qui étudies tout cela de très près. Merci, je te laisse le contrôle. Donc, je vais partager mon écran, je pense que... C'est bon, ça marche, parfait. Je vais juste essayer de mettre plein écran, voilà. Est-ce que vous l'avez en plein écran? C'est bon. Parfait. Moi, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'entrer un petit peu... dans cette pratique de la télémédecine, donc de la regarder un peu de l'intérieur. Et évidemment, comme chercheur en communication, c'est les enjeux à la fois communicationnels et relationnels qui vont m'intéresser. Just for Anna, I propose to see
telemedicine in practice, and my focus is communication and in relation and issues and challenges during a teleconsultation. Or maybe we can share some English short summaries of what Sylvie says in the chat. So maybe Sana, you can, and Ariane, you can maybe help us on this, just to share for Anna a few insights so that we do not interrupt you, Sylvie. Donc, comme vous le voyez, et je pense que ça prolonge un peu ce que Anna disait, c'est que la télémédecine, c'est pas nouveau. J'ai retrouvé cette petite image là. Et donc, effectivement, même si avec la pandémie, tout le monde semble avoir redécouvert cette forme d'offre de services de santé, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on connaît, donc il y a déjà eu des travaux. Et moi, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on sait déjà des téléconsultations, donc au niveau des enjeux communicationnels et relationnels. On sait déjà, il y a quand même une littérature importante sur le sujet et qu'on ne peut pas mettre de côté. On a quand même déjà des connaissances. Et dans un deuxième temps, ce que je vous propose, c'est à partir d'une recherche qu'on a faite, c'est d'aller regarder un petit peu plus près comment se déroulent ces interactions entre un patient et un soignant dans le cadre d'une téléconsultation. Alors, un auteur qu'on retrouve souvent quand on regarde ce qui se fait en télémédecine, c'est évidemment Miller qui a fait beaucoup de revues de littérature sur des recherches et notamment des recherches qui utilisent des logiciels d'analyse des interactions parce que lui, c'était son but, c'était de voir un peu qu'est-ce qui se passait dans ces interactions-là lors de téléconsultations, alors évidemment en psychiatrie, en psychologie, en oncologie, donc on voit qu'il a analysé beaucoup de contextes d'utilisation de la télémédecine. Alors qu'est-ce qui ressort de ces travaux-là hein? Eh bien, souvent il y a une tendance pour le médecin à contrôler le dialogue et à positionner un peu son patient dans un rôle un peu plus passif. Alors, c'est ce que montrent certains travaux. Et effectivement, on le verra, il y a certains patients qui peuvent être impressionnés par ce mode d'interaction avec le médecin. Ce qu'on remarque aussi dans les travaux, c'est qu'il y a une tendance, les médecins ont tendance à être moins susceptibles d'exprimer leur empathie, de pratiquer aussi ce qu'on appelle le small talk durant la téléconsultation. On va un petit peu droit au but, tout de suite dans le vif du sujet, quelque chose qu'on ne fait pas quand on a une consultation en cabinet médical. On a parfois tendance à introduire un peu plus la conversation. Et évidemment, la question de l'empathie, aussi quelque chose qui revient souvent. Quand on parle de télémédecine, c'est intéressant parce que vous avez aujourd'hui, d'ailleurs, même avec le Covid, vous avez de la télémédecine qui va se faire avec l'usage uniquement du téléphone. Donc, ça veut dire que le professionnel va appeler son patient par téléphone et parfois, on va utiliser la vidéo. Donc, ce qu'on a pu remarquer notamment en télépsychiatrie, c'était l'importance de se voir et que les patients avaient tendance à être plus anxieux lorsqu'ils ne pouvaient pas voir leur médecin et ce qui révélait une importance du regard, des expressions faciales. Alors, en gros, ce que nous montrent les travaux, c'est qu'il y a, il y a une tendance à orienter la consultation sur les aspects médicaux et un peu moins sur le contexte social. Donc, c'est évidemment dans l'entretien que le médecin va avoir avec son patient. Il y a une tendance aussi à être orienté un peu plus sur la tâche et moins sur les aspects socio-émotionnels. Et évidemment, toute la question de l'empathie, de la relation, des émotions, ces éléments-là ressortent dans les travaux que l'on connaît actuellement. Alors, autre élément important qu'on retrouve dans la littérature, et ça, c'est un texte un peu plus récent de Gordon de 2020, qui évalue l'expérience des patients lorsqu'ils sont amenés à communiquer avec leur médecin lors de téléconsultation.
Et ce qui ressort de ce texte-là, et c'est intéressant, c'est que il y a une inquiétude quand même de la part des patients, des erreurs par rapport au diagnostic potentiel du fait du manque de contact physique, d'examen physique. Alors, c'est vrai que les patients vont dire, il n'y a pas pu me toucher, il n'y a pas pu effectivement réaliser l'examen physique comme il se devait. Et parfois, ils vont douter un peu peut-être de la décision ou du jugement clinique de leur médecin. Les patients perçoivent aussi les soignants comme étant moins attentifs, plus distants, et notamment ce qui revient souvent, c'est le manque de contact visuel pendant la téléconsultation. Le fait qu'il y a comme ça un contact qui n'est pas maintenu, et alors on renvoie ici à cette notion de distance, hein, c'est pas juste la distance physique, c'est aussi une distance de contact comme ça, et le visuel semble important. Certains patients vont exprimer de la difficulté à être à l'aise pour parler, à poser des questions, participer à la conversation. Donc, c'est comme si le fait qu'il y ait cet écran-là les met à distance, mais encore plus. Et du coup, c'est difficile pour eux de s'engager dans cette conversation, de s'engager dans cette relation avec leur médecin. Alors évidemment, ce n'est pas tous les patients, mais on le retrouve chez certaines personnes. Et puis, ce qu'on va retrouver aussi, c'est toute la question de la relation de confiance, construire une relation de confiance à distance. Ça, c'est quelque chose qui revient très fréquemment. Alors, et on remarque dans les travaux que souvent, quand le patient va consulter son médecin en télémédecine et qu'il le connaît déjà, prenons l'exemple. Votre médecin de famille vous consulte en télémédecine, mais ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que vous le rencontrez régulièrement. La relation de confiance existe déjà, donc le transfert va être beaucoup plus facile à la télémédecine. Par contre, si vous êtes amené à rencontrer pour la première fois un spécialiste, hein, parce que vous êtes référé à un spécialiste, ben, le travail sur cette relation de confiance va devoir se faire de manière un peu plus soutenue parce qu'elle n'est pas construite auparavant, elle ne s'est pas établie, donc elle va devoir s'établir. Donc là, c'est tout un défi aussi. Donc on voit que l'aspect relationnel, hein, tout ce qui va concerner la confiance, l'empathie, la réassurance à distance aussi, sont des défis qu'on retrouve dans la littérature. Alors, vous avez certains travaux qui sont intéressants et qui nous ont, nous, intéressés comme chercheurs en communication. Ce sont les travaux qui ont plongé au cœur des interactions. Ça veut dire qui ont cherché à analyser plus en détail les stratégies de communication qui ont été mises en œuvre par les médecins pour justement établir le contact, chercher à établir cette relation de proximité avec le patient, même s'ils sont à distance. Comment réaliser cet examen physique à distance, comment gérer l'aspect réassurance, confiance, etc. Parce qu'évidemment, ce sont des enjeux, hein, qu'ils ont. Donc, vous avez un certain nombre d'auteurs qui ont décidé de plonger à l'intérieur des interactions et d'analyser de manière micro ces interactions-là. Et alors, ce qui ressort de ces travaux, c'est qu'il y a un premier défi souvent, c'est le défi d'établir le contact au début de l'ouverture de la téléconsultation et notamment réussir à créer ce qu'on va appeler une forme de proximité à distance. Ça veut dire qu'effectivement, oui, on n'est pas physiquement dans la même pièce, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer une proximité. Mais il y a un travail à faire. Ça se travaille que de créer cette proximité-là dans un espace qui est un espace qu'on va nommer virtuel, hein, mais il y a une proximité à créer malgré la séparation physique. Ensuite, la deuxième chose que l'on voit dans les travaux, c'est la conduite de l'examen physique à distance. Alors là, ça va exiger de la part des professionnels de la santé
eh bien de redoubler un petit peu de stratégies différentes pour déléguer même aux patients. On le verra tout à l'heure avec quelques exemples. Hein. Il va falloir qu'ils délèguent hein, aux patients un certain nombre de gestes, de palpation, d'autopalpation. Il va falloir qu'ils aident les patients à traduire des sensations, est-ce qu'ils ont mal, etc. Donc ça, il y a tout un travail qui va devoir se faire pour conduire l'examen physique à distance, et on verra que ça va exiger à la fois de la part du patient et du soignant un engagement pas uniquement verbal mais corporel aussi derrière l'écran. Et puis enfin, tout ce qui est la gestion de la relation à distance, donc tout ce qui est la question de la réassurance, de la confiance. Et puis souvent, ce qu'on retrouve aussi, c'est que dans la téléconsultation le besoin d'éviter le multitâche. Les médecins sont médecins et professionnels de la santé, quand ils sont en consultation en cabinet médical, sont des multitâches. Ils sont capables, en même temps qu'ils vous parlent, de tapoter sur l'ordinateur ou en même temps qu'ils discutent avec vous, etc., ils vont évidemment vous palper, vous faire un examen physique. Donc, ils sont multitâches, ce qui n'est pas possible en télémédecine. Alors, ça peut parfois déstructurer un petit peu la personne qui va en faire pour la première fois parce qu'elle va devoir être beaucoup plus structurée et décomposer ses actes. Et ça exige du coup une structure au niveau du déroulement de la consultation qui est un petit peu différent et qui est beaucoup plus, structurée dans la manière de procéder. Alors, ça m'a ramené à, évidemment, il y a quand même, nous en recherche, des travaux hein, sur la télémédecine, et les travaux que souvent on va nommer, c'est les travaux de Nelly Oshorn qui parle du travail invisible. Et c'est intéressant parce qu'elle montre que quand on utilise la télésanté et quand on fait de la télémédecine, eh bien, il y a des formes de travail qu'on ne voit pas, mais qui doivent se faire. Alors, le premier travail, évidemment, qu'elle dit, c'est le travail affectif. Donc, le support émotionnel pour créer une proximité, une intimité à distance. Donc, il y a ce travail-là qui doit être fait. Un autre type de travail qu'elle décrit, c'est le travail d'inclusion. Donc, tout ce travail qui va être effectué par le patient, mais aussi parfois par les professionnels de la santé pour aider à l'usage du système, hein, pour que le patient se familiarise à l'usage du système et qu'on puisse l'inclure hein, dans ce dispositif. Évidemment, il y a le travail d'articulation hein, qui a déjà été décrit par Hansel Strauss, hein, tout ce travail distribué sur différents acteurs qui va justement supporter le travail clinique. Et puis, en travaillant un petit peu avec d'autres auteurs, notamment Deborah Lupton et Maslen, il y a une quatrième variante de ce travail invisible que j'ajouterai aux trois variantes de Nelly Oshorn, c'est le travail sensoriel. Et ça, ce travail-là n'avait pas beaucoup été étudié parce qu'évidemment, nos sens sont redistribués. Et puis ce travail sensoriel qui se fait lors d'une clinique classique doit se faire aussi là à distance et comment il va se réaliser. Alors c'est un petit peu ça qui nous a intéressés nous dans nos travaux, c'est toutes ces dimensions sensorielles, tous ces sens qu'on mobilise lors d'une clinique, hein, lors d'un examen clinique et comment ce travail-là va complètement réorganiser lorsque ceci se fait à distance. Alors, ce qu'on a voulu faire, nous, eh bien, c'est étudier justement toute la réorganisation de l'activité clinique en contexte de téléconsultation. Et quand je parle de réorganisation, c'est justement quelles sont les stratégies qu'on met en œuvre, comment va s'accomplir la consultation lorsque l'on utilise un dispositif de télémédecine. Et en fait, on avait deux sous-questions. Comment on construit une proximité à distance? Donc, comment on rentre en relation avec quelqu'un comme ça, quand il y a cette distance physique? Et comment s'accomplit aussi ce travail sensoriel à distance, qui était une des dimensions qui nous intéressait. Donc, on a examiné de manière très micro la dynamique des interactions lors de téléconsultations. Et le but, c'était d'essayer d'en identifier les stratégies de communication mises en œuvre par les médecins.
Alors ça, c'est l'équipe qui a travaillé sur le projet, qui est un projet qui a été financé par l'Institut du Savoir de l'hôpital Montfort à Ottawa. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé dans un premier temps, on a utilisé le laboratoire de simulation de l'hôpital et on a créé des simulations de téléconsultation avec un patient. En fait, on a simulé un scénario de suivi post-opératoire en orthopédie avec une patiente simulée qui jouait son propre rôle. Et puis, cette simulation-là, elle a été réalisée par 5 médecins orthopédistes donc, qui pratiquaient la télémédecine depuis plusieurs années, donc, qui avaient beaucoup, beaucoup d'expérience, qui étaient considérés comme des experts par l'hôpital. Et puis, on avait 5 résidents en médecine qui, eux, n'avaient jamais fait de télémédecine. Et d'ailleurs, c'était pour nous, pour voir un petit peu les stratégies, si elles étaient différentes et comment ils s'adaptaient à ce contexte-là. Alors, ça s'est passé en deux temps. Dans un premier temps, eh bien, ils réalisaient leur consultation. Et nous, comme on avait à notre disposition le laboratoire de simulation, eh bien, on pouvait filmer avec différents angles, enregistrer cette téléconsultation en suivi post-opératoire. Et puis, tout de suite après leur téléconsultation, on amenait les médecins dans une autre salle et on avait un entretien d'autoconfrontation avec eux. Donc, on les confrontait à leur téléconsultation et puis on prenait le temps de visionner certains épisodes et leur demander de les commenter pour expliciter un petit peu certaines actions qu'ils faisaient, pourquoi ils les faisaient, etc. Alors, nos résultats, quand on a analysé tout ça, bien, on s'est rendu compte qu'en fait, on a identifié un petit peu 3 grandes stratégies de communication. La première, c'était une stratégie qui vise à créer ce qu'on a appelé une proximité à distance. Donc, on verra que comment ils vont utiliser à la fois les mots, le verbal, le non-verbal, mais aussi la technologie. Donc, ils vont vraiment essayer dans l'idée de se sentir ensemble à distance. C'est la première des choses qu'ils vont faire. Ensuite, lors de la réalisation de l'examen clinique à distance, ils vont réaliser ce qu'on appelle un cadrage clinique. Alors, on verra justement comment ils vont conduire cet examen-là. Et c'était sentir, à ce moment-là, sentir ensemble à distance. Et puis, comment ils vont réaliser ce travail sensoriel qui nous intéressait, notamment avec de multiples engagements corporels pour sentir à distance ensemble. Et comment ce travail sensoriel, dans le cadre de la téléconsultation, il est distribué. Alors, ça a fait l'objet d'une publication que j'ai mis là pour ceux qui veulent aller voir ça un peu plus en détail, parce que je ne vais pas présenter tout, je vais juste me concentrer sur certains résultats. Créer et maintenir une proximité à distance, la première des choses qu'ils vont faire, c'est configurer leur espace. On parlait tout à l'heure des sofas et tout ça. Et bien évidemment, quand on est en télémédecine, on configure son espace, l'espace de la téléconsultation. Ça veut dire qu'on va positionner les corps à l'écran. On peut jouer avec les zooms de la caméra. On va guider à distance aussi pour optimiser les vues. On va changer des cadrages, cadrage rapproché pour voir une partie du corps, cadrage large pour questionner, expliquer, rassurer. Donc, on voit qu'on va aménager, configurer son espace. On va bouger la caméra, mais moi, pas uniquement bouger la caméra. Parfois, on va bouger les corps derrière la caméra pour pouvoir voir des choses, pour pouvoir montrer aux patients des choses. L'idée aussi, parfois, d'avoir des plans larges pour maintenir le contact visuel avec le patient. Et puis aussi, on verra ce qui se passe, c'est intéressant dans les témoignages, les médecins sont très réflexifs sur leur présence à l'écran, comment ils vont se présenter eux-mêmes à l'écran pour signifier une présence attentive, pour créer cette proximité avec le patient et montrer qu'ils sont à l'écoute. Donc ça, c'est un premier élément qu'on voit, s'il y a vraiment l'idée de configurer son espace, de créer un espace qui va être un espace partagé. Et pour ça, on va travailler ensemble à le configurer, à la fois en s'engageant corporellement, mais aussi en utilisant la technologie.
Autre, quelques témoignages ici qui sont des témoignages lors des entretiens d'autoconfrontation. Bon, par exemple, les médecins vont dire que les patients sont intimidés par la caméra, par la distance. Donc, ils disent mais il faut entrer en contact avec eux, avec le regard, en ayant une présence à l'écran. Bien nous positionner pour qu'on nous voit bien, pour qu'ils puissent voir nos gestes, nos expressions. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels ils sont attentifs. Ils sont attentifs pas uniquement à leur présence à l'écran sur le plan visuel, hein, mais aussi ils pensent à leur intonation de voix, à la voix qui peut se faire rassurante. Donc ils vont jouer aussi avec des éléments d'intonation de voix, poser leurs mots, etc. Et puis on voit aussi dans le deuxième témoignage ici, comment ils vont chercher à créer cette présence, cette proximité en utilisant la caméra, en se positionnant derrière l'écran. Donc, il y a vraiment, de la part des médecins, et notamment des médecins experts, toute une réflexion sur leur présence à l'écran. Alors, ça, c'est un élément qu'on voit d'ailleurs beaucoup plus chez les médecins experts que chez ceux qui n'en ont jamais fait, que de penser leur présence à l'écran. On va regarder une petite vidéo, vous allez voir, ça c'est un travail qui se fait entre le médecin et la patiente pour sentir ensemble à distance, donc il focus un peu plus sur ce travail sensoriel. Thank you. And Jeanette, if you don't mind, I'm going to get you to stand up for a second. And you can see me. And what I'd like you to do is bring your leg nice and straight like that. And turn side. Yeah, exactly. Excellent. Thank you. If we could go down a bit. Thank you. Straighten it out as much as you can. Sorry. Just a sec. Excellent. Good. Okay. And then if you can bend your knee up as much as you can. Can you go further? Good. Okay, and then I'll let you sit down. Thanks. And when you bring that up, was it painful? I could feel the pulling. Okay. But it's tight. Okay. But to be painful, it's not so painful. Good. Have you had any? Alors, ce qui est intéressant ici, et on va le regarder un peu plus en détail, c'est que d'une part, on a le médecin qui, et d'ailleurs il nous l'explique dans l'entretien d'autoconfrontation, quand il est en clinique d'habitude, pour pouvoir évaluer le mouvement et de la patiente, c'est lui-même qui va prendre son genou, sa jambe, et qui va lui faire des mouvements. Donc, il va la toucher normalement quand il est en clinique, d'accord ? Ce qu'il ne peut pas faire là. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est aussi de voir comment elle se comporte quand elle est debout, donc quand il y a une pression sur son genou, et de pouvoir justement voir comment ça se comporte. Alors ça, il développe une stratégie où il lui montre, donc il y a un acte de démonstration, il lui montre ce qu'il attend d'elle. Hein, donc du coup on voit qu'il s'engage aussi lui corporellement hein, pour lui montrer un certain nombre de choses et la patiente va exécuter des gestes par mimétisme hein, derrière l'écran. Donc il y a toute cette séquence là d'engagement corporel, mais d'engagement à la fois du corps du médecin mais du corps du patient aussi hein, par ses actes de monstration et de mimétisme pour qu'il puisse partager. On voit qu'il y a quelque chose qui se crée, il y a un espace qui se partage par ces engagements corporels-là. Et puis, bien, à la fin, on voit aussi comment, on a une infirmière qui joue avec le zoom de la caméra, hein, mais comment elle joue avec le zoom de la caméra aussi, hein, pour focusser sur le genou à un moment donné dans ce cadrage clinique, et puis comment elle défocus sur le genou pour revenir sur le visage de la patiente au moment où le médecin lui demande de traduire ses sensations. Est-ce qu'elle a eu mal? Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Donc, on voit qu'il y a un jeu d'aménagement, de configuration de l'espace. On voit qu'il y a des engagements corporels aussi dans cette idée, évidemment, de sentir ensemble, de se sentir partager un espace, mais en même temps pouvoir partager des sensations. Donc, ça, c'est des éléments de stratégie qu'on peut voir hein, se développer comme ça lors de téléconsultations. Alors, je vais conclure maintenant. Ce qu'on voit, ben,
ce que nous, ça nous a apporté, ces analyses-là, c'est qu'on voit qu'il y a un besoin de formation des professionnels de la santé parce que les résidents, par exemple, n'ont pas eu toujours les réflexes qu'avaient les médecins experts. Donc, communiquer à distance lors de téléconsultations, ben, ce n'est pas la même chose que quand on est en clinique classique. Il y a des stratégies aussi qui doivent être développées, qui doivent être adaptées pour réaliser un examen physique à distance. La question de construire la relation avec le patient, construire cet espace aussi, c'est un nouvel espace qu'il y a à construire ensemble. Et puis, les professionnels doivent développer une forme de pratique réflexive sur leur présence à l'écran, pratique réflexive que les médecins, plutôt avec de l'expérience, ont développée, mais que les jeunes médecins doivent eux-mêmes développer au fur et à mesure de leur apprentissage, leur formation. Autre élément important, c'est qu'il faut aussi comprendre que dans la télémédecine, ben, y a un travail invisible qui est demandé au patient. On le voit là, avec cette patiente-là, on lui demande de traduire des sensations, on lui demande de partager, parfois même ça peut être des émotions aussi. Donc, il y a comme ça ce travail invisible qui est demandé au patient. Et dans le cas de la télésanté, bien évidemment, Nelly Hochborn le montre aussi bien, hein, où les patients deviennent des agents diagnostiques, ils s'auto-diagnostiquent, ils s'auto-palpent, etc. Donc, il y a quand même quelque chose qui est exigé de la part du patient et qu'il ne faut pas oublier de travailler, d'étudier toutes ces formes de travail, hein, qui émergent de l'usage de la télémédecine, mais aussi d'autres formes de télésanté. Hein. On délègue quelque chose au patient. Là, en l'occurrence, par exemple, dans le cas de la télémédecine, le médecin a délégué au patient, hein, le faire des mouvements, de traduire des sensations, etc. Ne pas réduire aussi l'efficacité de la télémédecine à des mesures d'utilité ou d'acceptabilité. On voit énormément de travaux qui se font sur ça. C'est plus que ça. C'est prendre en compte aussi cette offre de services de soins et l'intégrer dans un parcours de soins personnalisé. Il y a des risques aussi d'amplification des inégalités sociales. Il y a des gens qui sont moins à l'aise, hein, derrière les écrans. Et effectivement, il y a aussi un travail d'accompagnement à faire. Ce n'est pas juste offrir un service comme celui-là, c'est aussi l'inscrire dans un parcours de soins, l'inscrire dans une organisation de soins. Et parfois, on a tendance à l'oublier. Donc voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Merci. Merci Sylvie. C'était bien inspirant. Je remercie Ariane là et Sana qui ont fait plein de traductions en live pour Anna. In English in the chat for you. Et donc, on pourrait passer aux questions. Je ne sais pas, Sana, si en même temps que tu traduisais, tu as eu le temps de regarder. Moi, j'ai lâché une ou deux questions à certains moments, mais il y a peut-être des personnes qui voudraient prendre la parole d'abord. Je pense que ça nous évoque beaucoup de choses. C'est très concret. On voit bien les situations précises. Alors, je vous laisse peut-être. Juste à présent, je voyais tes questions. Pour le reste, il y a quelqu'un qui veut poser la question avant qu'on passe aux questions de Stéphane. Oh oui, on ne va pas passer aux miennes maintenant. Okay, donc, la première question, c'était par rapport à l'étude de Gordon. Non, je veux dire, on va pas passer aux miennes tout de suite. Je préfère que les autres personnes puissent intervenir. Est-ce que quelqu'un pourrait intervenir? Oui, moi, je voudrais bien poser une petite question, si c'est possible. Excusez-moi, j'essaie de me mettre à un endroit où je peux vous regarder. Merci beaucoup pour vos deux présentations. Pour rebondir sur le dernier élément que vient de mentionner Sylvie, concernant ce nouvel espace à inventer pour permettre aux patients de partager ces sensations, je me demandais justement si ça invitait pas à relire finalement tous les travaux qui ont déjà été développés aussi en communication. Et puis, je pense à tout le travail d'Edouard Tilleul autour de la proxémie. Mais en fait, à les réinventer au regard de ce qui se passe aussi dans l'espace public avec des nouvelles proxémies qui se réinventent aussi dans cette présence en face à face. Et voir comment les deux s'articulent, particulièrement, il me semble, dans ce temps de pandémie où il y a des transformations des deux côtés. Merci. Je pense que tu soulignes un point important. C'est la question évidemment de la proxémie qui, inévitablement, on voit qu'elle est centrale et c'est une question centrale aussi en ce temps
de COVID, hein, où on parle de distance physique. Et c'était intéressant parce qu'il y a eu aussi un glissement sémantique. Au début, on parlait de distance sociale et après, on a parlé de distance physique. Alors, je trouve que on s'est comme corrigé sémantiquement aussi à un moment donné. Hein, et mais ça, effectivement, ça réinterroge toute cette notion de la proximité. D'où il y a aussi beaucoup de travaux sur la proximité à distance. Hein, je pense aux, je ne les ai pas cités là, mais si on regarde les travaux Christian Licop, hein, qui a beaucoup travaillé, hein, sur ces questions-là. Donc, il y a quand même tout un héritage en sciences de la communication, hein, sur la question de la distance, la proximité à distance. En éducation aussi, il travaille beaucoup ces questions-là sur l'apprentissage collaboratif à distance, comment créer. Donc, je dirais, on n'est pas... on n'est pas sans rien, on est outillé, je pense, sur le plan théorique pour penser ces questions-là. Le fait est, c'est que la pandémie nous a précipité assez rapidement et nous a reconfronté peut-être à des notions qu'on abordait auparavant, mais de manière beaucoup plus massive aujourd'hui, parce que ça touche tous les pans de la société. Ça touche le milieu de travail, ça touche le milieu hospitalier, ça touche l'école, ça touche nos relations sociales, donc ça touche tout. Alors qu'avant, c'était assez segmenté. C'était le milieu de l'éducation qui s'occupait de cette question de proximité, à distance, avec les élèves à distance, le milieu professionnel un peu avec le télétravail, etc. Mais là, ça a touché massivement toute notre société, ce qui fait que cette question-là de la proxémie, comme tu dis, elle est réinterrogée aujourd'hui parce que c'est massif, là. Mais c'est des questions qu'on abordait déjà avant et je pense qu'on est outillé théoriquement pour étudier ça. On a des outils pour le faire et on peut le faire. Ce qui est intéressant et ce que je trouvais intéressant dans ce que nous, on a vu au niveau des interactions, c'est que on a tendance à penser la proxémie quand on est en présence dans un espace physique, hein, et penser nos engagements corporels. Mais là, on voit, on a vu des médecins qui s'engageaient corporellement derrière l'écran. Et c'est ça que je trouvais intéressant, le fait qu'on recrée une forme de proxémie en engageant les corps, même s'ils sont physiquement distants. Alors, il y a quelque chose là que je trouvais intéressante à exploiter. Et bah, pour certains qui sont en design, hein, ça pose la question, à mon avis, de design de technologies qui permettent l'engagement corporel, qui permettent le partage sensoriel. Il y a des choses à travailler à ce niveau-là, à mon avis. Une main levée. Oui, c'est pour poser également une question. Vas-y, Julien. Parfait. Merci. Merci, Madame Grosjean, pour votre présentation. C'était très instructif et ça m'en vient à poser la question suivante. Quand vous parliez dans vos pistes de réflexion dans la section « La conclusion du travail du patient », est-ce que vous pensez, en fait, du coup, que le patient devient un peu plus responsable dans la gestion de sa condition de santé ? Alors, la question de la responsabilité ou de l'empowerment ou de l'engagement du patient, ça, c'est des discours qu'on voit beaucoup, avec lesquels on tend peut-être à prendre un peu de distance. Quand on parle du travail du patient, c'est par exemple, je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui, je développe une application mobile pour quelqu'un qui est diabétique ou pour quelqu'un qui a un problème de cardiaque, par exemple. Alors, la personne avec un problème cardiaque, elle va devoir utiliser une appli mobile, donc se mettre, prendre sa tension, etc. Tout ce travail-là qui était fait avant par l'infirmière en cabinet médical, là, il est délégué au patient. D'accord. Alors, le patient va recevoir une petite trousse qui va lui expliquer comment il faut qu'il positionne les choses, les capteurs sur lui, etc. Puis, il va devoir… C'est ça, ce travail-là. C'est un travail qui, avant, était un travail assumé par une infirmière, par exemple, hein, dans un cabinet médical, et qui, maintenant, est délégué au patient parce que tout se fait chez lui. Alors, il y a des patients qui vont pouvoir le faire parce que sur le plan de la littératie en santé, sur le plan cognitif, psychologique, ils sont suffisamment présents là pour le faire, mais ça interroge aussi le fait qu'on risque peut-être de créer d'autres formes d'inégalités sociales d'accès à la santé pour toute une gamme de patients qui n'auront pas le courage ou l'envie ou, je dirais, les ressources nécessaires pour faire ce travail-là qui leur est délégué. Et c'est ça que nous dit Nelly Oshborn, c'est qu'elle dit qu'il y a une forme de délégation, d'une forme de travail invisible qui est délégué aux patients, qu'on sous-estime peut-être.
Juste. Et qui pourrait aussi avoir des effets importants sur le plan de l'accès, sur le plan de l'acceptabilité aussi de certaines technologies, etc. Et qu'on a eu tendance à peut-être sous-estimer ce travail invisible qui était délégué aux patients. Juste un petit rebond sur ce qui vient d'être dit, parce que moi, je crois qu'il y a... Il y a vraiment deux facettes à ce travail qui est délégué au patient. C'est peut-être ce que tu suggères à ta façon, Céline, mais je voudrais le mettre en lumière de manière un peu plus appuyée. Deux facettes entre lesquelles je ne suis pas capable de trancher. Peut-être qu'il faudrait mener des études empiriques complémentaires pour se prononcer, mais j'ai le sentiment que si on a envie de le voir d'un œil un peu empathique, on pourrait le voir comme une façon pour le patient d'acquérir une plus grande autonomie dans la gestion de sa santé. Et donc, j'imagine que Julien, puisque je sais que tu travailles sur l'empouvoirment, on peut le voir peut-être comme ça, de manière très positive. J'ai plus de pouvoir sur ma santé parce que je suis plus acteur, je m'autonomise, etc. Mais j'ai le sentiment qu'on peut aussi le voir comme une aliénation, c'est-à-dire, quand on parle de travail délégué, bah, ça veut dire une surcharge de travail, c'est qu'on fait faire plus de travail aux patients. Et est-ce que c'est forcément une libération ou un empouvoirment ou est-ce que c'est un abrutissement? Je provoque un peu dans mes termes, mais c'est parce que quand tu disais, Sylvie, qu'il y a un enjeu d'inégalité, parce qu'il y en a qui vont être capables de le faire, mais même ceux qui sont capables de le faire, est-ce qu'ils ont envie de faire ça? C'est-à-dire, il y a toute une logistique qui apparaît à la maison de gestion de sa propre... de son outillage, de tout un tas de choses. Il faut lire des machins pour arriver à s'implanter un truc, à interpréter. Alors, il y a du plus et du moins, c'est sûr. Hein. C'est peut-être plus simple que d'aller se déplacer loin, tout ça. Mais quand même, je trouve qu'il y a une ambiguïté là sur l'empouvoirment et l'autonomie versus l'aliénation. Ben, disons que ce qu'il y a, c'est qu'il y a un idéal qui est attendu, hein, c'est que le patient se prenne en charge, c'est que il y a cet idéal-là qui est attendu par le système de santé, hein, et c'est des discours qu'on entend beaucoup dans le système de santé. Mais je pense qu'il faut qu'on soit attentif au fait qu'il y a une tendance dominante au niveau des organisations de santé et du système de santé à avoir un petit peu un discours marketing, de penser le patient comme un consommateur de technologie. Or, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis souvent, on va les imaginer, hein, comme des target audience, des groupes homogènes, etc. Donc, on sait très bien, quand on commence à faire du design participatif, qu'on voit bien qu'il y a une multiplicité d'individus, de personnes, de pratiques, de modes d'usage, de configurations d'usage, etc. Bon, par exemple, je vais vous donner un exemple. Hein. J'ai fait des ateliers au mois de décembre avec des personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson, qui ont testé pendant 3 semaines chez elles une technologie de santé. Et tous très motivés à la tester, très engagés, etc. Et certains m'ont dit, au bout de 3 jours, j'ai arrêté parce que ça m'a fatiguée. Et c'est pas parce qu'il voulait pas la faire. Il m'a dit, pour moi c'est super utile, mais c'était fatigant pour moi. Et donc ça avait généré chez eux un certain nombre d'effets. Là, qu'on... Et c'est ça qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que on a quand même un discours techno-optimiste en milieu de la santé, qui parfois il faut peu relativiser et dire, ben oui, vous aurez un certain nombre de patients qui vont utiliser cette technologie-là, puis pour lesquels ça sera super bien, puis ils vont se sentir en charge de leur maladie, puis comme tu le disais, ce sera positif. Mais il faut considérer qu'il y aura toujours un pourcentage d'individus pour qui ça ne servira pas ou qui n'arriveront pas à s'en servir. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce pourcentage-là? Aujourd'hui, le problème, c'est que notre système de santé, il focus sur ceux qui vont l'utiliser. Mais on a tendance à laisser de côté le pourcentage d'individus qui ne va pas l'utiliser pour tout un tas de raisons. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cela? Et c'est ça aussi qui est important, hein, c'est de dire, ben oui, on va peut-être lancer une appli mobile ou un capteur sensoriel, ou etc. Il va être utilisé, oui, par un certain nombre d'individus. Mais il y a des gens qui ne vont pas l'utiliser, qui vont vouloir continuer à avoir une offre de service qui sera la même qu'avant. Donc, il ne faut pas couper les services pour ça, parce que la tendance aussi, c'est de dire on offre du en ligne et de la télésanté et on coupe tant d'autres services. Mais il y a aussi, ça veut dire qu'on risque de laisser sur le bord de la route un certain nombre d'individus qui, eux, pourront pas
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que actuellement au Canada, la dernière enquête de Paris sur l'utilisation de la télésanté au Canada, hein, c'est montré, vous avez vu, les statistiques sont claires. Hein, si vous êtes un niveau socio-économique élevé, bien éduqué, avec un haut salaire, vous êtes, et pas trop de comorbidité, vous êtes plus enclin à utiliser les technologies mobiles. Ça veut dire qu'en gros, toute une partie de la population, revenus faibles, comorbidité, ne les utilise pas, alors que c'est vers eux, normalement, qu'elles s'adressent. Donc, il y a quand même une réflexion à avoir, puis peut-être à tempérer aussi certaines ardeurs qu'on peut voir dans le milieu hospitalier, dans le milieu de la santé, que de dire, ben, oui, c'est une solution à l'offre de services, mais elle ne doit pas, je dirais, faire en sorte qu'on coupe des services pour aller uniquement vers cette solution-là, au risque sinon de laisser des gens sur le bord du chemin. Merci, Céline. Excellent, merci beaucoup, merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? On a respecté l'horaire, on a juste eu un petit 10 minutes de plus à cause de ma lamentable traduction en live. Et donc, oui, Ariane. Hello, hi. I guess this question could be both for Hannah or Sylvie. But like I was wondering, we didn't talk about the part of like intimacy, like where you receive the service in your home. Like, for example, I had a session with my therapist that I turned out to talk only about my dad because I could hear him in another room, you know? So like that was not planned. And I was not like, there's this part where we can't plan like where we are, where we use our app, where we receive the phone call, where we... Like how we can take that into account. I don't know, Anna, if you want to respond. Yeah, maybe. Sure. Yes, I think that's both a wonderful question and such a wonderful illustration of the problem, right? Hearing dad or the spouse one's upset at or trying to manage something to do with childcare and the children are right there. And this has had a massive impact. The clinicians I've interviewed and their patients as well, now in the pandemic, people are taking sessions in cars, in locked bathrooms. There's a huge anecdotal evidence that people are returning to email because at least then there's a sense that it's private because it's not voiced. So I do think that is another element of the mediating intimacy. So if Stefan is talking about what the office, the silence the office can give us, even if it's a fantasy, here we have it at its logical extreme. But again, I don't think that this is only so new in this moment. I think this moment is on steroids, but we've been seeing this all along, you know, the suicide hotline used in the living room. But just to finish very quickly, e-therapy really takes off the minute you can have a personal device, a feeling that you can do it from your bedroom or from, you know, your phone outside. And so I think that intimacy and privacy have also attended these shifts across the history of teletherapy. And we're in this one very sort of strange moment where most of us have much less privacy than we might be used to. But nonetheless, the care has to continue and it poses a real problem for the continuity of care. I don't know if you're worried your father could overhear you, right? But this is something lots of people are reporting, that they're both drawn to talking about those objects and then terrified of it as well. And it's very impactful for patients. Thank you. Je crois qu'il y a une question pour Sylvie dans le chat de Laurence qui... On ne peut pas activer son micro, sa caméra, qui pose la question à l'écrit. Est-ce que des études sont menées sur les stratégies développées, inconsciemment ou non, par le patient pour se mettre en confiance? Avec comme exemple, jouer sur sa posture, trouver des façons d'exprimer ses sensations par analogie, etc. Est-ce que si tu vois la question, tu peux regarder aussi Sylvie en même temps, mais je voulais te la lire, voir si tu avais quelque chose là-dessus. Mais c'est intéressant la question posée parce que
Pour l'instant, on a beaucoup focusé sur la formation des professionnels de la santé. Et je discutais avec une infirmière l'autre jour et je me demandais mais comment l'infirmière à l'hôpital s'occupe de la télémédecine. Et je lui dis, avec le COVID, là, comment ça s'est passé avec les patients, sachant qu'il a fallu les accompagner pour beaucoup. Alors, en fait, il y a tout un protocole. Hein, le patient reçoit une consigne pour se connecter. Il y a toute une sorte de petite formation du patient avant. Alors, une formation un peu orientée technique. Là, pour l'instant, mais je trouve ça intéressant parce que je me dis que probablement, on a beaucoup focusé sur la formation des médecins et que probablement qu'à un moment donné, ben, il va falloir aussi que ben, les patients, c'est nous, hein, mais que peut-être on apprenne à interagir avec notre médecin différemment. Vous savez, quand, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les choses d'association de patients, hein, par exemple, où on dit, bon, vous allez avoir 15 minutes avec votre médecin, préparez vos questions, pas en oublier. Ben, peut-être que prochainement, les associations de patients pourraient aussi proposer aux patients quelques conseils pour bien gérer cette consultation de 15 minutes en télémédecine avec leur médecin. On a un projet actuellement avec la faculté de médecine qui forme ses futurs médecins à la télémédecine. Et c'est un projet avec des patients simulés. Alors, le patient simulé, c'est un patient hein, qui va simuler son rôle. Et on est en train, avec mes collègues, d'analyser en ce moment des interactions entre des patients simulés et des étudiants en médecine pour justement essayer de mieux former les patients simulés à justement interagir avec les médecins en formation pour attirer leur attention sur des éléments. Par exemple, on va focuser par exemple au niveau de l'examen physique, comment le patient simulé au niveau de l'examen physique peut-être accentuer ou traduire des sensations pour essayer d'attirer un petit peu l'attention du médecin sur un certain nombre de choses. Et la même chose va se poser aussi au niveau de de l'expression du stress ou des émotions. Donc, on est en train de travailler ça, mais c'est une excellente question parce qu'on a tendance au niveau des travaux à focusser sur la formation des médecins, mais je pense que les associations de patients auront aussi peut-être à travailler avec les patients sur comment se préparer à une téléconsultation. Oui. Moi, j'aurais une dernière question, mais qui, je pense, est une ouverture vers des discussions que nous pourrons avoir par la suite, Sylvie. Parce que, en fait, c'est aussi une des raisons qui m'a amené à proposer ce webinaire aujourd'hui. Je me demande, en fait, qu'est-ce qui, dans les habitudes que prennent en ce moment les individus, nous tous, que les habitudes que nous prenons, je veux dire nous, avec les téléconsultations, qu'est-ce qui va peut-être demeurer ? Ça, c'est difficile à prévoir, mais il y a probablement des choses qu'on va garder, un peu comme avec l'enseignement à distance, il y a probablement des choses qu'on va garder, même si en ce moment, on est plutôt submergé par un ressenti de ras-le-bol de l'enseignement à distance ou de ras-le-bol de la téléconsultation ou que sais-je, mais une fois qu'on aura passé ce cap un peu dur, on va sûrement garder des choses. Et donc, je me demande, dans ces habitudes acquises qui viennent un peu se sédimenter dans une espèce de, comment appeler ça, de capital des usages, et comme des usages qui se capitalisent, disons, chez les uns et les autres, et qui vont peut-être faire qu'en santé mentale, il va y avoir des attentes, peut-être, dans les technologies numériques en santé mentale, qui vont s'exprimer chez les patients, chez les cliniciens, mais qui vont provenir d'habitude en train de s'acquérir en télémédecine tout court, sans que ce soit forcément lié au mental. Et donc, je me demandais si tu travaillais à des fois un peu cette différence-là, ou parce que tu évoquais dans certaines littératures que tu restituais tout à l'heure des consultations en psychiatrie, en psychologie, où on imagine que l'enjeu du corps est beaucoup moins important, voire radicalement différent, parce qu'il n'y a pas d'examen physique, parce que c'était une de mes questions dans le chat, parce que même il y a même plus un interdit de toucher. Là, si on parlait, par exemple, on parlait de psychanalyse, c'est carrément une règle de ne pas toucher le corps du patient. Là, on avait eu Serge Tisseron l'année dernière, en avril, ici dans les webinaires, qui avait un peu évoqué, c'était le début de la pandémie, justement, ce qui change. Et en fait, il y a beaucoup moins, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de moyens disponibles pour la téléconsultation en santé mentale. Le regard, la mise en scène de l'espace, évoquait Serge Tisseron, il évoquait pourquoi pas on envoie un SMS, le patient envoie un SMS avant d'entrer dans Zoom pour dire qu'il est là, comme quand,
comme une espèce d'analogie de il sonne à la porte en bas. Et donc, je vous demandais ce que tu en pensais, parce que finalement, moi, je me dis aussi en vous écoutant que on se focalise sur élaborer des technologies, des applications, par exemple. Nous, on essaie d'en développer une, mais c'est complètement illusoire de la déconnecter du contexte dans lequel elle va être utilisée, parce qu'on en parlait à l'instant. Si tu n'as pas un espace pour être tranquille avec ton application, bah, en fait, tu peux beaucoup moins l'utiliser. Donc, c'est loin d'être magique, effectivement. C'est comme... Et on ne peut pas, en concevant une application, concevoir les espaces qui vont aller avec. Bref, il y a un peu beaucoup de questions dans ma question, mais si tu as des petites réponses comme ça. J'en aurais deux. La première, c'est, tu dis, ben, ce n'est pas comme un examen physique, il n'y a pas d'engagement. Il y a une forme d'engagement du corps. Oui, je ne voulais pas dire qu'il n'était pas là, mais comment ça se joue? Parce que ben, la question de la voix. Moi, je pense que quand on est amené à travailler sur les émotions, sur la question de la voix est importante. Et moi, je l'avais retrouvé ça, cette question de la voix, du jeu de la voix, lorsque j'avais fait une recherche auprès des 911, des gens qui prennent les appels d'urgence. Et c'était ressorti à un moment donné parce que un des répartiteurs m'avait dit un des ambulanciers m'avait dit, en parlant d'un répartiteur, je n'aime pas sa voix. Sa voix me stresse. Alors, et c'était intéressant parce que, en fait, ils exigeaient du répartiteur qu'il tempère sa voix, qu'il pose sa voix, qu'il pose son rythme, qu'il pose son débit pour ne pas générer de stress. Et pour eux, ça s'éduquait. Et d'ailleurs, ils remarquaient que les ambulanciers qui étaient passés répartiteurs savaient le faire. Et donc, genre, je pense que c'était une forme d'engagement, parce que travailler sa voix, c'est un engagement corporel. Ça engage une partie de ton corps qui est ta voix, là, qui est pas. Mais il y a quelque chose là, à mon avis, peut-être à aller creuser. Cette question du travail de la voix, du travail de son intonation, du travail de son débit, de son posé de voix, il y a peut-être des choses à aller chercher là, parce que je pense que c'est... Oui, mais je suis d'accord qu'il n'y a pas d'absence du corps, hein, ce n'était pas mon propos, mais évidemment, il n'a pas le même statut dans... Non, et parce que ça passe beaucoup. Oui, un peu visuel, le contact visuel, mais ça passe par la voix, ça passe par les mots. Donc, d'une certaine manière, il y a un travail là qui doit se faire. Après, la question des usages, la question de la configuration des usages. Hein, et là, on voit que les configurations d'usage sont multiples. Hein, quelqu'un pourra, un jeune ado qui va utiliser l'application ou peut-être qu'il sera dans un parc et puis pour lui, il se trouvera dans sa bulle dans ce parc-là pour utiliser l'appli. Donc, les configurations d'usage, elles vont être multiples. Hein, effectivement, je pense que dans le processus de conception, c'est juste en intégrant ces multiples configurations d'usage. Alors, évidemment, il va falloir pouvoir tester dans multiples conditions et voir comment elles peuvent influencer les usages de cette technologie, hein, ou l'abandon de cette technologie, si justement. Mais ça fait partie, à mon avis, du processus de conception, que d'intégrer aussi, dans la mesure du possible, ces configurations d'usage. Et donc, peut-être aussi ne pas trop inscrire de script pour laisser une certaine flexibilité à l'usager. Tout à fait. Ben, ça m'intéressera peut-être qu'on collabore à l'occasion sur... des études d'interaction comme ça, tant des consultations spécifiquement psy ou santé mentale pour observer aussi ce qui se joue. Je me souviens que Serge Tisseron, dans les recommandations qu'il proposait l'an dernier, peut-être ça a évolué depuis d'ailleurs, mais il parlait de la rencontre des regards et de placer sa webcam de sorte que, et de regarder sa webcam comme un journaliste regarde le prompteur lorsqu'il donne le journal télévisé, pour que le patient qui regarde l'écran ait le sentiment que le psy le regarde. Et aussi, il conseillait au psy d'éviter d'être immobile sur la chaise, ou peut-être qu'il ne sait pas si Zoom a planté, ou donc de bouger un peu, pour montrer que tu n'es pas déconnecté de l'application non plus. Mais c'est sûr que je pense que nous, à la chaire Diamant, on sera intéressé de creuser la manière dont tout ce que tu as mis en lumière vient aussi se jouer dans le contexte spécifique des consultations en santé mentale. Bon, je vous propose peut-être qu'on s'achemine vers la fin, parce qu'on a
un peu débordé, mais de toute façon, chacun était libre de quitter avec... Ah non, je crois qu'il y a peut-être une question encore, c'est ça de Philippe, je vois un message. Non, c'est peut-être un commentaire, peut-être tout simplement. Merci d'ailleurs. Mais je propose qu'on s'arrête là, effectivement, parce qu'on a un petit peu dépassé notre timing. Alors, un très grand merci. Thank you, Hannah. Merci, Sylvie. Merci à tout le monde. Thank you for being there with us. Et nous vous proposerons bientôt un prochain webinaire sur un autre thème. So we will offer you soon another webinar on another topic. So merci beaucoup à tout le monde. Belle fin de journée et merci d'avoir contribué à cet échange. À bientôt. Merci.